Bonjour à tous les amis pandas, salut c'est Natek et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Un Panda en Enfer sur... Podcast. Non d'accord, ok j'arrête. Ça doit être lourd hein, pour vous à la fin. Non mais sans déconner, à chaque fois je fais des grosses vannes. Tellement énormes que tout le monde se plie de rire. Non d'accord, donc dans l'épisode précédent que j'ai enregistré juste avant celui-ci, donc nous avons activé les deux valves d'eau puisque quelqu'un a allumé un putain d'incendie. Hein, il a mis le feu partout. Et là, le but est d'aller activer donc la valve principale maintenant. Hein? Allez! Franchement, je kiffe! Il est où? En fait, c'est qu'il y a juste un gros bonhomme qui nous surveille. Je sais pas où il est. Si là je vais me pointer, il va être là. Non, c'est bon. Il est où? Il est où le gros? Pas là. Ok, on actionne ça et on se cache. Ok, donc maintenant il va falloir sortir. Donc là on va retourner en arrière. On va changer la pile. Il pleut sur nous. Ok, je sais plus par où je suis venu. Vous allez rigoler, mais c'est vrai. Je sais plus du tout. Par là. Elle est là-bas, la sortie. Oh putain, bon dieu, je vois rien. Putain, sa merde! Il m'a fait flipper ce crétin. Donc là, il y a un truc. Ouais, non. Je pensais qu'on pourrait monter et faire. Ouais, je monte dans le tuyau. Dans les gros tuyaux. Ah, oh, putain. Je m'y attendais pas du tout. Là, je dois avouer que. J'ai flippé ma race parce que je savais pas du tout ce qui allait se passer. Là, c'était vraiment imprévisible. On est à la sortie. On est à la sortie. C'est la sortie là. Cherchez le père Martin. Non mais ça veut dire qu'on doit... C'est quoi la lumière? Oh. Ok là il y a une grille. Ok alors là ça va être vraiment chaud parce que... J'espère qu'il n'y a pas des mecs qui courent. Non! Ça nécessite une putain de clé! Il y a des bruits de feuilles! Y'a pas de trou dans la clôture. Là on peut pas y aller. Je vois des trucs voler donc je sais pas si c'est moi ou mon... Une imagination. C'est quoi ça? Là c'est fermé. Y'a un putain de dossier par terre. Qui t'a dit de laisser traîner le dossier de... Ça va prendre l'eau. Ok, il y a des... Attendez, on va se mettre dans le coin et on va changer de pile. Oh! Ok, on a bien vu qu'il n'y avait rien du tout. Alors là, je cherche la clé. Mais je m'étonne que le mec soit pas rassuré. Je vais pas être méchant, mais c'est pas rassurant. Le mec a deux doigts de couper, le mec ils le font. Ok. Ok. I have the key. I have the key, yes.
Et ça s'est calmé. Alors tu sais pas pourquoi ça s'est calmé alors qu'il y a... Il y avait rien. Il y avait de la pluie il y a 2 secondes. D'accord. Tu retournes dehors, il y a de la pluie. Ok, donc on va refaire un tour. Parce que je sais exactement comment y aller. En longeant. Non, s'il vous plaît, je veux pas me faire destroy. J'ai vraiment peur. Il y avait un bruit de pas. Il y avait un bruit de pas. Il y a des morts partout. Non, mais après, c'était peut-être mon pied qui a marché sur une branche, hein. C'est bizarre, j'y crois moyennement. Il n'y avait pas moyen de passer là, sans prendre la clé à l'autre bout. Voilà, ça y est, j'ai ouvert. Est-ce qu'il y a un truc par là? Non, il y a une porte qui n'est pas fermée, ok. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'ouvrir après. Est-ce que je peux fermer juste celle-là, s'il vous plaît? Parce qu'en fait, je sais que s'il y a un méchant, il va mettre du temps à l'ouvrir. Alors, ça me permettrait de fuir. Bizarrement, il n'y a qu'un seul chemin pour aller de l'autre côté. Hein? Non, mais, hé, hey, c'est impossible. Je déteste. Je déteste cette ambiance. Et apparemment, il est encore pire celui d'après. Donc imaginez, moi, comment j'ai peur. Oh! Oh! C'est quoi ça? Vous avez vu? Ok, là il l'a ouvert en mode brutal la porte. Ok, on est encore sur l'extérieur. Là on passe de l'autre côté du portail. Putain, je vois rien. Non, je vous assure, je vois rien, bordel. Mais on progresse. Ça, c'est la seule chose que je sais, c'est qu'on progresse. J'ai vu l'échelle, hein. Vous en faites pas, elle est là. On va monter en haut, ça sera peut-être plus sécure que de marcher en bas. Avec tous les bobs. Enfin, je sais pas si c'est des méchants ou... Je sais pas si... ouais, c'est très rassurant. Là, t'aurais dû vachement lâcher ta caméra en montant. Je vois plus rien. S'il y a un mec qui nous agrippe là. Ok, on est sur un toit, bordel. On est sur un putain de toit. Je flippe. S'il y a un mec qui monte, tu fais... Je vais te manger, je vais te manger. Toi, tu fais... Non. Ok. Ça, c'était easy. Easy, caramel. Oh, yeah. Non, je... Il y a un mec là, ok. Donc, je suis rentré dans ce bâtiment, j'avais pas vu le mec là, hein. Tout ou pas bouger, toi. Hein. Ah, on voit mieux si on zoome. Donc, ça nous permet de voir un peu ce qu'il y a devant nous et tout. Ok. J'ai bientôt plus de piles, par contre. Vous auriez pas des piles? Attendez, il faut que je change la pile. Donc, je me mets à un endroit où il y a personne qui peut me toucher. Non. Non. Non, non, non. Alors je vais avancer tranquillement, Bobby. Et tu vas me laisser t'avancer tranquillement. Je crois qu'il y a une fenêtre derrière moi. Non, c'est cool. Ok, donc là. Ok, donc pourquoi il y a ça? Non, on peut pas faire d'escalade? De l'escalade? Non, ça vous dit pas? Oh. Non, mais en fait, ma façon de rigoler, c'est plutôt une façon pour moi de me rassurer de ce qui est en train de m'arriver. C'est-à-dire que je suis pas du tout rassuré. Je déteste la pluie, et là, je me trouve sous un putain d'orage. Parce que c'est pas l'alarme incendie, hein, qui fait ça, hein. Il pleut pas à l'extérieur quand tu déclares une alarme incendie, hein. Au cas où, hein, pour certains. Il pleut qu'à l'intérieur, à l'endroit où il y a les extincteurs. Ok, t'es mort, toi. Ah bah oui! Ah bah c'était très utile! Ok, et je fais quoi maintenant?
Ok, bon, on va continuer tout droit parce que je... Ah oui, oui, j'avais pas vu. J'avais pas vu que c'était cassé. Ok. Wow! Mon jeu prend tellement cher qu'il commence à ramer avec les éclairs. Alors, pour vous dire... Faut partir! Non, 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 non. Non, non, mec. J'ai plus de piles. J'ai plus de piles. Je veux pas partir, mec. J'irai jusqu'au bout. J'irai. Ouais, moi aussi, je vois son fantôme. You know? Hey! Comment savez-vous que vous n'êtes pas impatient? Ok! Ok, ils sont très rassurants, ces mecs. Alors, sachez qu'on va se retrouver très vite. Et oui, on va s'arrêter là. Entre tous les patients qui vont me sauter dessus en mode. Ah ok. En tout cas, j'espère que ce 10e épisode vous aura plu. Sachez qu'on se retrouve très vite pour le 11e, peut-être la fin. Je ne sais pas. Donc, je vais me faire vite parce que j'utilise ma pile. Je vous donne rendez-vous très vite, les amis. Ciao, bye bye! A très bientôt les pandas, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fera extrêmement plaisir. Ciao bye bye et bon week-end.